Et re, pour à tous, re, YouTube. Nous continuons sur Monster Hunter Rise et nous venions d'apprendre que ce qui nous attend, c'est quelque chose de terrible car c'est le Kushala d'Aura qu'on adore, évidemment, hein, n'est-ce pas? J'en ai marre de ce... En fait, j'allais vous dire, j'en ai marre de ce câble, mais pour être plus large, j'en ai marre de cette installation de merde. Putain! Bref. Ok, et là, ouais, bah là, oui, j'ai le câble de la manette en plus maintenant à gérer. Au secours. Très bien. Du coup, le Kushala. Et le Kushala, il me semble que c'est électrique. Enfin, il aime pas l'électricité, quoi. Donc, équipons-nous de notre plus belle arme électrique. Il y avait pas un délire qu'il aimait pas la paralysie aussi? Putain, mais. Bordel de cul! Non mais... On s'en fout! Très bien. Non, 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 je suis pas énervé, c'est faux. Allez, le Kushala. On y va. Alors, je comprends pas, parce qu'un coup, on me dit, ouais, si tu fais le Caméléos, t'as accès au rang de chasseur 20. Et puis après, on me dit, ouais, mais du coup... Vu que t'as tapé le Caméléos, bah du coup tu peux taper le Kushala et t'as accès au rang de chasseur 30. Mais parce que rang de chasseur 20, on n'a pas eu de quête. Bon, le Kushala multi, hein, d'office. Hein. Et c'est un dragon ancien, donc on n'a pas besoin des pièges. Donc autant alléger l'inventaire. Voilà. Et par contre, on va peut-être prendre des flashs. Ça me semble bien comme projet. Je me demande si les Sonic, il en a quelque chose à foutre. On va tester. Il n'y avait pas un délire avec les bombes Sonic avec lui? Ça remonte à tellement loin et puis c'est pas comme si c'est un monstre que je tapais très régulièrement à l'époque. Oui, bien. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Oui. おい、おい、勝びの急。翼を呼んぬかな。ひそを腹をくれば。来ませり。 D'accord. Je m'attendais pas à ce cliffhanger de cinématique. Très bien. Ah, le Kushala. Bon, bel et bien la bombe Sonic. Kunai poison. Il y a bel et bien un délire de poison. Ah putain, mais du coup l'arme Caméléos a au taquet de sens contre lui. Mais de toute façon, je dis ça, mais j'ai même pas les sous pour le faire, donc... YOLO. On va rester à l'électrique.
Est-ce que j'attends les gens? Non, parce que le problème du Kushala, c'est quand ça commence, voilà, il fout des cyclones de partout et ça devient l'enfer. Donc je vais peut-être attendre un peu. Ah non, le Kushala... le pire. Bon, après, quand t'as la strat pour bien le défoncer, c'est cool, hein. Mais, ouais. Non, même pas, en fait. C'est ça. C'est que même quand tu le connais, il est pas cool. Donc, j'attends les gens. Ah oui, il faut que je défonce les requins... les requins des enfers, là, sur cette map. Pour le deuxième camp. Ok, deux arbalétriers et un katana. Donc okay, on est deux katanas, deux arbalètes. Ok. Ok, il y en a un qui s'est épée à côté. Alors ça, ça va être utile. J'ai tellement pas envie de l'affronter. Si vous saviez... Très bien. Un premier affrontement épique. Allez, mais grimpe tout droit, fais un effort! Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais, alors je me gave de bonus, hein, mais legit, hein. Ah, alors ça c'est bien aussi. Ça, c'est une bonne info, ça, savoir qu'il y a ça ici. Ah, il y a un Magna Malo sur la map. Ah. Oh là là. Oh, ce qui s'est pris! Il vient de se prendre un combo à 2500 là? Il se fait enchaîner! Par contre, les inputs, c'est normal que ça passe pas ou. Allô? Est-ce que je joue bien un jeu vidéo ou je contrôle le jeu avec une manette? Je comprends rien. D'accord. D'accord. Bon, on va l'empoisonner. Hein. Ah, il lâche plus les cyclones comme avant. Bah, si c'est ça, c'est cool. Hein. Peut-être, peut-être qu'il lâche pas autant de cyclones. Non, parce que dans World, c'était n'importe quoi. Hein. Genre, il pouvait juste spammer de... C'est pas fait toute la map, les cyclones. Mais putain! Vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Hein.
depuis tout à l'heure, je sers à rien. Ah si, je l'ai empoisonné, ça va. Peu de respect quand même. Oh, ils sont dégueulasses les cyclones. Ouais, faut que je me mette dedans. Faut que j'apprenne à jouer contre lui en mode katana. Ça bouge, ça sert à rien. Je tape pas. Je fais aucun DPS. Je suis le seul qui est en train de galérer à courir, à me soigner. Ça n'a aucun sens. Il a pris ultra cher, mais mais je suis pour rien, quoi. Par contre, ouais, le combotage du Magna Malo, je suis sur le cul, là. Hein. Il s'est fait victimiser. Ouais, par contre, les cyclones sont vraiment dégueulasses. Hein. C'est à ce niveau-là, c'est aberrant. Enfin, l'effet grossier en cell shading pour montrer que ça. Mais c'est Monster Hunter ou Persona 5 en fait là. Ah, il nous fait tomber carrément. Mais attends, mais... Ah oui, il fait avancer ses cyclones. Ok. Bon, en fait, je le préfère déjà dans... Je le trouve plus équilibré dans ce jeu-là. Putain, j'ai attends. Oh con. Mourrez pas les gens. Au secours. Magna Malo qui arrive. Putain, mais mes inputs qui passent pas. Mais c'est un truc de ouf. Je spamme ma vie là. Putain, j'ai la manette qui est en très bon état hein, si vous me posez la question. C'est pas comme si je jouais souvent à la Nintendo Switch. En tout cas, il se fait détruire. Hein. Je suis loin d'être le main DPS, mais il se fait détruire. Hein. Ah, il fait ça? Genre, il tire une bourrasque d'air comme ça? Non? B-soin, j'ai pas de B-soin. Merde, j'ai pas de B-soin. Bon bah tant pis. Il se barre.
C'est ça? C'est pas du tout ça, c'est ça. Y'a rien à ramasser hein. Bon, ça passe à un moment donné l'effet dragon de mes couilles là. On va pas s'ulcérer pour ça. Bon ouais, je suis loin d'être le main DPS, mais il s'est quand même fait détruire. Hein. Franchement, GG à eux. Mais c'est juste une histoire de motivation, hein, parce que le simple fait de me dire que c'est un Kushala... je suis pas très emballé, quoi. Super. Oh tiens. Ouf. Eh bien il est bientôt mort. Merci à lui en tout cas. Hein. Non par contre faut pas mourir là. Hein. Faites un effort. Hein. Il va rusher le seul qui a pas de vie. Ouais non 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 non, s'il fait ça il fait... Comment ça se passe s'il fait ça? De la glace. C'est de la glace, je vais mourir. Bon de toute façon ils ont tiré toutes leurs munitions donc j'ai envie de vous dire... On peut se permettre de se poser à côté. Quoi? Oh ouais, ils ont tellement géré. Ils m'ont tellement carré la quête. Ils m'ont tellement carré la quête, c'était débile. Ah ouais non mais ils m'ont carry fois 1000 hein. Abusé. Merci à eux. Non mais j'étais pas dedans en fait. C'est juste j'étais pas dedans, j'aurais pu. Bon, peut-être pas être le main DPS, faut pas déconner. Mais j'aurais pu être un peu plus focus et taper un peu plus quoi. Et profiter un peu plus justement que pour une fois j'ai une bonne équipe. Là j'en ai profité mais dans le mauvais sens du terme quoi. Mais en fait, le Kushala, si t'as une bonne équipe qui est cohérente, il est vraiment pas ouf. Surtout que là, j'ai l'impression qu'il a été modifié. Pas forcément nerf, mais rééquilibré en fait, sur ses attaques et tout. Je le trouve plus cohérent là que dans World. Et pourtant là, typiquement, on l'a affronté sur des espaces beaucoup plus ouverts par rapport à World quand on l'a affronté. Et en gros, il a été nerf dans le sens où il fait beaucoup moins de zoning persistant et chiant. Donc ouais, en vrai, là, dans celui-là, il est beaucoup moins cancer, quoi. Faut oublier la version de World. Bon, on va aller voir son stuff. Du coup. Attends, quoi? Il y a eu le script en mode. Ouais, ça y est, t'es l'élite des chasseurs? Non, mais me dis pas que le Kushala c'était la dernière quête. Attendez, il y a un Théostra dans l'histoire, hein, dans les mises à jour. Hein. Je vais affronter le Théostra, moi. Ok, donc maintenant c'est 40 la limite. Ça n'a aucun sens leur délire là. Et là ils me disent atteindre le rang de chasseur 40. Ah, d'accord, mais j'ai pas débloqué de nouvelle quête. Oh non. Oh, va falloir que je farme ma vie là maintenant.
Bon, on va aller voir les stuff. Parce que peut-être que... Bah déjà, farmer le Caméléos pour faire son arme poison, ce serait cool. Kushala. Le stuff a l'air stylé. Ouh, savoir faire niveau 4. Ok. Obtenez le pouvoir du dragon ancien Kushala d'Aora. Attaque eau et glace plus 10%. Permet aussi à la récupération de dépasser la zone rouge de la jauge de vie. Annule les dégâts de chaleur. C'est trop bien. Accélère la vitesse des de guérison des dégâts temporaires. Ouais, c'est pas mal. Quadruple la vitesse de récupération. Oh putain. Donc diversion, donc ça c'est cool. Témérité niveau 2, augmente l'attaque et l'affinité lorsque les grands monstres sont enragés. Ça en fait c'est ouf de l'avoir à fond. Attaque plus 20, affinité plus 15, c'est ouf. Augmente l'attaque des munitions et flèches perforantes. Bon, en fait, les attaques, en fait, les perks, genre munitions, compagnie, genre normal, rapide plus et perforant plus, on s'en fout. Est-ce qu'il serait merveilleux? Évidemment. Oui, d'accord, ok. C'est con en fait parce que c'est réparti dans tout le stuff et on s'en fout. Parce que ça aurait été genre dans une voire deux parties. Bah on les aurait kick. On aurait peut-être éventuellement envisagé de faire le stuff. Vu que c'est un très bon stuff anti-glace. C'est un bon stuff anti-glace. Et c'est ce qui me fait défaut actuellement. Et du coup on aurait pu avoir... un stuff pas trop dégueu, quoi. Bon, c'est pas fou non plus, hein. C'est pas fou non plus parce qu'on est à... ouais. Niveau perk. On n'a plus le délire des bonus d'affinité, tout ça, quoi. Enfin, vite fait. Très vite fait, quoi. Ouais, t'es mérité, il faudrait l'avoir à fond. Et emplacement de joyaux, c'est de la merde. Ouais, ben non, on oublie en fait. On oublie parce qu'emplacement de joyaux, c'est nul. C'est juste nul. Ok. De glace. Ouais, ça va être Théostra. Elle est énervée celle-là un peu, non? 180 pour 43. Et la mienne, elle est à combien? 210 pour 27. Bah ouais, beaucoup plus de dégâts, mais beaucoup moins d'éléments. Et au niveau du tranchant, ça se passe comment? Non, le tranchant est pas plus intéressant. Mais 43 de dégâts, enfin de dégâts élémentaires, c'est trop fort. Et le pire, c'est que je me rappelle dans World, quand voilà, avec les extensions, tout ça, quand le jeu a avancé, l'évolution de l'arme Kushala en insecto était forte, vraiment très forte. Donc il y a un monde où ça nous intéresse quand même. Dégâts environnementaux annulés, réduction de consommation d'endurance, réduction de perte de tranchant.
pas mal. Surtout qu'en en arme glace, valable, en corne, j'ai rien. J'ai quoi en arme glace? Je crois que j'ai que la bariote et encore, c'est pas ouf. Ah si, il y a la récup de vie quand même. Et grosso merdo, au niveau des dégâts, c'est la même chose. Et avec celle-là, j'ai de l'affinité. Et j'ai des emplacements de joyaux, chose que j'ai pas avec la Kushala. Ouais non, niveau joyaux, c'est de la merde. Non, mais en fait, en corne, elle vaut pas le coup. Et en insecto, est-ce qu'on a toujours la même? Je pense, hein. Ah, elle est comme ça? Alors peut-être qu'au départ elle est comme ça et qu'après quand elle évolue elle change. Parce que j'ai pas... je me rappelle pas qu'elle était comme ça au départ en insecto. L'arme Kushala. Et en arme glace, bah du coup moi c'est quoi? C'est la bariote. Ouais, la bariote qui est trop énervée en arme glace. Hein. 3 emplacements de joyaux niveau 1. De l'affinité 190, 25. Ouais, 170, 34. Ouais, il y a toujours plus d'éléments, mais moins de dégâts, quoi. Et ouais, elle est moins intéressante. Bon, faut la faire quand même, parce que... on sait jamais. Les perspectives d'évolution vont faire que ça va être intéressant. Mais c'est pas un focus à faire en premier plan, quoi. Est-ce qu'on peut améliorer un peu? Sérieusement, il manque... Bon, vas-y. Ça va, je vais... Attendez. Je vais régler ce problème tout de suite parce que c'est ridicule. Comment faire? Attendez, on va faire un truc avant. Mais ça se branle la nouille ici. D'accord, il manque juste un entraînement. Ok. Enfin, une partie de mission. Ok. Bon, je m'attendais à ce qu'elle me donne des trucs que je puisse vendre. Cabrac, qu'est-ce qu'elle peut me proposer? Poudre de vie. Ah ouais. Bon. J'en ai donc je vois pas l'intérêt d'en acheter, mais c'est bon à savoir qu'elle en propose. Bon, est-ce que j'ai des trucs à vendre? Très bien. J'ai pas de débris novice. On profite pour faire un mini tri. Hein. Mais je l'avais déjà fait hein, ce tri là. Bon, en fait je me dis que tous ces débris là, en fait ça me sert plus trop à grand chose. On garde au cas où. Mais là, en fait, si je faisais une razzia dans mes ressources et que je faisais le sac à merde à vendre plein de trucs, ben en vrai, on aurait plus de problème d'argent. Mais on aurait un problème de ressources. Tôt ou tard, on aurait un problème de ressources. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé voir le nid d'Ibrouette. Attendez, je peux vendre un œuf d'acier.
Ah oui, 1000 balles, super. Ça valait le coup, hein. Ça valait le coup. Oui, alors toi. Putain, je suis dégoûté, du coup, on a tombé le... Oula ! Pardon, Guillaume. Pardon, Guillaume, j'ai loupé tes coms. Je sais pas depuis combien de temps t'es là. Ça va, oui, ça va. J'ai pas beaucoup dormi, encore une fois, et... des mauvaises nouvelles en pagaille. Mais ça va. La mise à jour est cool. La mise à jour est plutôt cool. Et je m'attendais à beaucoup moins. Je m'attendais à beaucoup moins en termes de... En termes de contenu. On n'a pas terminé, hein, évidemment. Il nous manque... il nous manque de grimper au rang de chasseur 40 pour, je suppose, affronter le Théostra. Et à partir de là, on aura peut-être tout fait. Après, on n'a pas eu de mission genre bestiole supérieure, mis à part l'Arzuros. Donc je suppose que en rang de chasseur 40, on va peut-être débloquer des missions en mode vas-y, Rathalos supérieur et compagnie, quoi. Qui pour le coup vont proposer un vrai challenge. Donc oui, je pense que ce sera vraiment sur la... Voilà, les bestioles supérieures, ça va vraiment être sur le endgame. Donc on verra bien. De nos mêmes points, ouais. Et pour la thune, facile, tu vas miner aux cavernes de lave et tu vends tout. C'est-à-dire... Je mine quoi, les gisements basiques? Parce qu'en vrai, là, si c'est une vraie info, ça. Tu vas en expédition, tu regardes si tu as le bonus récolte minerai. Ouais. Et tu farmes, après tu vends tout. Ah ouais, ok. Bon, je ferai ça en off, du coup, hein, parce que en stream, en VOD, c'est pas ouf. Mais ok, merci pour... Et tu as 5. 5 quoi? 500k easy. Mais en combien de temps? Ça prend 10 minutes. Ah ouais? Pour 500k? Oh putain. Du coup, je suis presque tenté de le faire maintenant. Je suis tenté de le faire maintenant parce que... j'ai besoin d'argent. Peut-être un peu moins, mais ouais, regarde maintenant si tu as le bonus minerai. Dans les repas, hein. À chaque fois que tu as le bonus minerai en expédition. Ouais, ok, quand j'ai le bonus minerai, je le fais, quoi. Donc là, si je l'ai pas, je fais une quête. Mais attends, mais je me demande si dans mes commandes habituelles, je m'étais pas fait un truc... Bah, c'est pas collecteur? Pas de bouffe, en expédition tu as des bonus sur les zones. Ah, il faut que je regarde sur expédition et savoir s'il y a un bonus exprès. Bah attends, mais il n'y a pas un bonus via les dango pour avoir plus de ressources? Aussi? Info environnement bonus minerai. Donc là c'est go en fait. Toujours. Bon, j'y vais solo, ça sert à rien de... Et aussi sur les dango, mais moins important. Allez, go. Ok, bah vas-y, chaud. Bah merci pour l'info, Guilhem. Non, on a besoin d'argent, je le fais maintenant. Je le fais maintenant, c'est trop important. Hein. Bah désolé, YouTube. Quel sac à merde. Attendez, du coup, je veux regarder ça. C'est vrai que pour les récoltes, on s'en est pas trop intéressé. Bon, collecteur, c'était pour le miel, ok. Y a pas, hein. Oh,
Ok. Et tu farmes jusqu'à ce que le bonus disparaisse. Prends le talent Géolis 3 aussi, c'est rapide à avoir. Oh, mes talents, j'ai la flemme par contre. Alors je sais, hein, on me l'a souvent conseillé, mais j'ai la flemme. J'ai un petit peu la flemme. 9 minerais par spot. Non mais le problème c'est que j'ai pas de thunes. Donc là, crafter des joyaux pour géologiste, c'est chiant. Attends, je vais regarder quand même. Parce que j'ai la flemme, mais d'un côté je me dis que oui. Ça s'appelle comment le joyau pour géologiste? Tu l'as peut-être en talent, en talisman. Ça m'étonnerait parce qu'à mon avis, si je l'ai eu, je l'ai vendu. Parce que c'est des trucs qui m'intéressent absolument pas et j'aime pas garder des trucs à foison comme ça. Ouais. Ok. On va faire ça. Ouais, sur mon arme, c'est ok. J'ai même pas besoin de me prendre la tête. Hop. Ah bah tiens. Paf. Même pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Tout se goupille. Mais du coup, comment j'ai l'info Comment j'ai l'info de... De quand le bonus disparaît? Après, quand tu seras habitué à la route pour la colle, ça va aller vite. Ok. Oui, non, il faut que je connaisse le chemin, quoi. Évidemment. Mais il y a un délai ou c'est plus un quota que je ramasse au bout d'un certain temps, ça... Ça, je connais pas cet endroit. Dis donc. C'est un délai, d'accord. Tu as marqué, les données de la carte ont été mises à jour, il te dit, et tu récolteras pas pareil. Quoi? Comment ça? Alors tu as remarqué, les données de la carte ont été mises à jour, il te dit... Je comprends rien, comment ça? Tu récolteras moins une fois le message affiché, d'accord. Ah mais là du coup j'ai la pression là. Gisement minier, c'est ça. Bleu c'est bonus, c'est blanc c'est ok. Ok. Bon, faut que du coup j'utilise ma tête là. Mais je me fous la pression alors qu'en plus sur cette map là je les connais plutôt pas mal les spots à gisement. Bah déjà il y en a un qui est pas ici. C'est cool. Putain mais... Une fois sur deux, hein, mes inputs qui ne passent pas, hein, c'est un plaisir. Mais c'est où? Mais je suis en train de péter un câble! Mais il veut pas faire un truc? Bon, je savais pas que c'était ici. Ah
Le focus est total. Hein. Les bleus sont à prioriser. Ah bon? Pourquoi? Les bleus, c'est-à-dire les gisements bleus, oui. Les gisements de ressources. Pas les bonus. Mais... Mais ne bois pas une potion, puis... Le fusium et quel truc sont meilleurs. Ok. Mais le pire, c'est que je crois que j'en ai déjà plein. Hein. Si tu me dis que c'est ok de les vendre, je vais tout vendre. Hein. Ça se trouve, j'ai déjà, et je ne le sais même pas, assez pour faire tout ce que j'ai à faire. Je t'en garde une. T'en gardes une 20ème quoi. Comment ça? Mais tu vends tout le reste. Ah, une 20aine. Ok. Je suis où? Ok. Oh, c'est compliqué là. Non mais cool l'astuce. Hein. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'est... En vrai, j'aurais fait le connard, j'aurais vendu. Et je pense que dans tous les cas, j'aurais vendu... Enfin, tôt ou tard, j'aurais vendu ces ressources-là, mais sans vraiment savoir que c'est opti. Mais le problème, c'est voilà, c'est de jouer... Enfin, de vouloir crafter plein d'armes différentes, bah, ça me coûte de... Bah, d'avoir à raquer 3 fois plus, quoi. Une route ce soir. Alors, c'est pas dit que je joue ce soir. Vu que ces temps-ci je dors pas beaucoup, le soir je suis en mode cadavre. D'accord. Mais ce soir ou... Mais non. De toute façon je suis au taf en pause là. Ah ok, pas de soucis. Ah bah c'est cool. Bah c'est cool de passer. Mais non mais oui, non mais de toute façon tôt ou tard j'aurais vendu hein, c'est juste que je savais pas que ça c'était optimisé quoi. Puis vendre des ressources en fait ça me pose un problème dans le sens où bah déjà vu que je joue enfin que j'aspire à jouer 3 armes différentes, bah c'est c'est compliqué. Donc enfin je me dis qu'au niveau ressources c'est quand même plus opti de garder. Donc j'aurais pas forcément pensé en premier plan à vendre. Minerai se vend si cher et le bonus te file tant de minerai que c'est rentable de ouf. D'accord. Mais ouais tu vois j'aurais même pas cherché à optimiser comme ça. Je suis un peu genre écureuil dans l'âme, hein. J'aime bien garder. J'aime bien garder toutes mes ressources. Ouais, je me rappelle hein, dans World j'avais je sais plus combien de dizaines et de dizaines de rubis Rathalos. Mais oui non, comme je te disais avant, je suis vraiment pas sûr de jouer ce soir. Je préfère rien de promettre, mais oui, c'est avec plaisir à l'occasion qu'on se fait un truc. Qu'on se fait un truc pour avancer, quoi. Le repop et minerai aussi très vite, ok. Mais oui, faut que je dorme. Faut que je me repose et Marot, tu as le temps de faire 3 fois au moment où tu finis le premier et pop. D'accord. Oui, d'accord, oui, tu crées un roulement assez
assez cohérent pour pas avoir à revenir sur tes pas et à t'emmerder quoi. Donc exactement le contraire de ce que je suis en train de faire. Sont gonflés. Attends, parce qu'il me dit que là. Attends, il y avait pas le spot caché aussi avec les gisements là, tout au nord. Bon, après c'est un peu relou d'y accéder, donc je sais pas si c'est rentable d'y aller, mais. Oui, faut y aller. Ouais. Ok. Ok. Allez. Allez. 4 spots. Ouais, 4 spots. Ouais. Il semblait bien qu'il y en avait beaucoup. Et il se casse la gueule, je m'en doutais. Bon bah je me mind d'y aller parce que en vrai j'ai rien optimisé du tout. Donc ouais, à l'occasion, oui, si on se fait ça, si on se fait une session rapidement, ouais, faudra que tu me montres un chemin opti. Même s'il n'y a pas le bonus, hein, tu montes le chemin une fois, ça va normalement. J'ai une bonne mémoire donc je me rappellerai à peu près. Si tu veux pas qu'il court, saute après le coup de philo. C'est-à-dire saute. Salut Dike. Si ce soir sur le stream je te montrerai. Ok, ouais, c'est même pas dit du tout en fait. Parce que si je me pose en fait j'en profite pour faire autre chose de ma vie. Et donc généralement je me pose un peu avec ma femme hein. Je suis pas souvent dispo pour elle pour regarder genre des films, des séries, tout ça. Donc ouais, quand je suis pas dans le délire stream, généralement j'essaie d'être dispo pour elle. Après oui, si effectivement j'ai un battement, je passerai ou même je te dirai. De toute façon, je te dirai à l'occasion. Je te dirai à l'occasion si je suis dispo pour qu'on se fasse une session ensemble. Ici, il faut monter encore. Ah bon? Attends, tu vas me dire qu'il y a encore des trucs plus haut que j'ai jamais vu? Ah oui, là-haut! Aveugleman! Ouf! Non! Je ne connaissais pas cet endroit. Attends, mais j'ai où là? Ok. Mais attends, mais j'en ai oublié un gisement. C'est absolument pas intéressant ce qu'on est en train de faire. Hein. Mais l'argent. Attends, mais j'ai complètement zappé un truc là. Là-haut? Ouais, rentable qu'on cache, j'avoue. Hein. De ouf. Ouh. J'avoue, de ouf. Et après, je suppose qu'à partir de là, ce qui est plus intéressant, c'est de se TP. Ouais, non.
Mais j'avoue que là, avec ce qu'on a ramassé, si vraiment tu me dis que ça a vraiment de la valeur, c'est rentable de ouf. Bon, là, non, je vais pas recommencer la route parce qu'il n'y a aucune route en fait. Ça n'a aucun sens ce que je fais, mais oui. Oui, non, mais maintenant que je sais à peu près où se trouvent tous les gisements sur la map, il faudrait qu'en fait j'ouvre la map et que je me. Que j'essaie de visualiser par rapport aux endroits. Non, mais non, là, c'est carrément brouillon, parce que j'ai pas cherché en fait à rendre le truc logique, hein. Je me suis dépêché. Encore une fois, je suis fatigué. Je fais un peu de la merde. Déjà les lieux où tu passes par en dessous avec les jets d'air, bah sur la route tu passes par au dessus. Ouais d'accord, ok. Oui en fait vaut mieux passer par l'extérieur, genre vers la droite, monter, tout ça, ok. Je vais y réfléchir. De toute façon on va voir, on est à combien de temps? Putain, on est à 50 minutes de VOD là, au secours, il se passe rien. Bon, est-ce que je peux pas en ramasser quelques-uns en plus là? Bon allez, je ramasse celui-là et on va faire un retour. Un retour à la base. Ok, ça ripop à droite. Ok, on va prendre ceux qui sont dans la zone là et on va. On décarre en suivant, on va se faire une dernière petite mission, je pense. Et quelle heure? Ah, remarque, on a le temps. Putain, grimpe tout droit, grimpe tout droit, grimpe tout droit, merci. Ah! Donc c'est peut-être ça, l'idée. Ok, j'ai eu le message de fin. D'accord. Bon, on va quand même se faire ceux qui sont à côté. Après tout, j'ai géologiste, donc pourquoi pas. Pourquoi pas s'emmerder un peu plus. Hop. Ah oui, d'accord, effectivement. Avec le bonus, c'est par 3 et là c'est par 1. Ok, bon, et ben cassons-nous. Oui. On va voir ce que ça vaut devant tout ça. Pouette, pouette. Ah oui, en plus le pet boss. Si admettons, il me fait ventoux. Ah mais il me donne pas le prix estimé. Bon, je vendrai. Il y a le coffre. Tu vas vendre, imaginer combien tu auras une fois opti. Yes, bah oui. Non mais oui, de toute façon je conçois que c'est rentable. Hein. C'est que là j'ai perdu du temps entre faire le repérage et. Et parler, être dissident, faire de la merde sur mes wall jump, oui. C'était pas très optimisé, quoi. Alors, le tout maintenant est de trouver ses ressources. Alors, déjà, on va faire un truc. Et je vais me mettre à jour là-dessus aussi. Non, mais c'est cool, Guilhem, hein, pour l'astuce. Ça va beaucoup me faire avancer parce que je t'avoue que je suis pauvre depuis. Enfin, officiellement, je suis pauvre depuis 4-5 heures de jeu.
Et j'ai du mal à remonter la pente. Bon, alors ça, je me demande à quoi ça sert, hein, ces potirons à la con, là. Fin de première et début de deuxième page des minerais. Mais c'est quoi que je dois vendre en priorité déjà? Parce que je vois la valeur, c'est pas... En pierre de feu j'en ai beaucoup. Ah oui, 92 000 quand même! Poussium, gratium, carbalite. Bah, du gratium, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup du tout. Mais pourquoi j'ai si peu? C'est quand même terrible. Ouais. Putain, mais c'est ouf, c'est En gros, c'est les ressources les plus intéressantes optiques que j'ai le plus. Ça n'a aucun sens. D'accord. Gratium, c'est en novice. Et les terres, feu, lave. En fait, j'avoue que tout ce qui tient du novice, je pourrais les vendre maintenant. Mais j'ai peur qu'en fait plus tard on me propose des armes à craft qui me demandent des ressources novices. Non, ça n'a aucun sens. En fait, toutes les ressources novices, je pourrais les vendre. Genre minerai de fer, c'est novice. On s'en fout du coup. Voilà. Cristal de terre, c'est novice. On s'en fout. La macalite. Vas-y, je vends ma macalite, j'en ai rien à foutre. Gratium, c'est en novice, vas-y. Allez, tout ce qui est novice, je vends. En fait, tout ce qui a le moins de valeur, c'est du novice, en fait. Donc, lithium, c'est novice. Rareté 4. Ouais, en fait, tout ce qui est rareté 4 ou en dessous, c'est novice. Donc je peux tout vendre sans problème. Non mais voilà. Donc je fais sûrement le connard actuellement, mais c'est pas grave. T'as même les ossements du coup. Garde-en un peu quand même. Bah non, on s'en fout si c'est du novice. Ça nous servira plus. Normalement. Non mais c'est pas grave. Je suis à 500 000, c'est bien. Je respire. Si tu veux craft des armes depuis le début. Ben non, mais en fait depuis le départ du let's play, je suis assez militaire là-dessus de crafter méthodiquement toutes les armes qui m'intéressent en fait. Et de voilà, de mettre en stand-by en attendant d'avoir les ressources via le farming. Donc je suis pas en mode je laisse en plan. Je bourre sur une arme et on verra pour le reste plus tard. J'ai plein de... J'ai vraiment plein de... Non, je m'en fous. Non, pas ça. Os de monstre plus. Je m'en fous de ça. Bon, os de monstre G, j'ai peut-être fait une connerie de le vendre. Mais... Après c'est bon, tu as déjà 500k là. Oui non mais je veux plus. Parce qu'on a des armes à crafter, à améliorer et ça coûte ultra cher. Et du coup là voilà, on se met à jour maintenant. Donc voilà, encore une fois, désolé YouTube, hein. Finalement on fait rien. Mais c'est pour la bonne cause. Non mais voilà, tout ça, ça me sert à rien. On libère un peu de place d'inventaire. Faudrait même que les ressources de monstres novices
je me dise bon ok c'est bon ça dégage quoi. Ah ouais mais là par contre j'ai tellement pas la conviction de faire ça maintenant. Ok, je ferai ça un jour. Non mais on y voit plus clair, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon. Non mais parce qu'il faut que je finisse d'améliorer mon armure, ça coûte très très cher. Je sais même pas si j'ai assez de sphère. Si, normalement. Ah non, peut-être pas en fait. Si, ça devrait aller. Non mais voilà, 75 000... C'est bon, on est à fond. Oui. Voilà. Là, ça y est. C'est upgrade. Ensuite. Non, mais c'est bon. Quoi? Non. Bon, la Narga Kuga, on s'en fout. Qu'est-ce qui m'intéressait? Alors là, on a toujours pas l'info. Voilà. Hein, je suppose que... Ah ben non ça j'ai pas d'info parce que ça va me demander de la ressource Théostra c'est sûr. Ok. Attendez parce que en fait j'avais 1 milliard de craft à faire et je suis en train de... Donc celle-là on a dit que c'était mort. Ça c'est mort. Ah peut-être que la base Elgus va me demander aussi des ressources Théostra. Alors l'arme Kushala je vais pas la faire. Je vais laisser ça de côté. Ah oui il nous fallait ça. Attends y a, du coup il faudrait qu'on farme le Caméléos pour crafter ça. Oh, une queue en plus hein. Tu as vu là SNS Guild. C'est-à-dire. Qu'entends-tu? Enfin, voilà. Que veux-tu dire par SNS Guild? L'épée bouclier de la guilde? Non. Parce que je joue pas épée bouclier, donc je m'y intéresse pas. Déjà que... trois armes différentes, j'ai le cerveau qui part en ébullition. Ah, mais ça, je m'en fous, en fait. Voilà, donc ça, je peux me permettre de le faire. Voilà, déjà. Oui, ça, fallait que je le fasse. Impérativement. Non, mais je l'ai. Maintenant, on l'a. Je regarde les sous, hein, parce que... Qu'on se fasse pas surprendre d'un coup. Elle est top dégâts, mais tranchant vert. Par contre, un tranchant vert de malade mental. D'accord. Oui, il y en a quelques armes comme ça. C'est un peu what the fuck d'ailleurs. Ah oui, insecto aussi, il fallait améliorer pour. Ah bah, qu'est-ce que je branle? Insecto, il fallait aussi améliorer pour l'arme explo. Non mais là c'est bien en fait. Là, grâce à ton astuce, tu te rends pas compte, mais tu viens de littéralement me mettre à jour sur tout ce que j'avais à... Enfin, tout ce que je pouvais améliorer pour l'instant. T'as les Kinsect aussi, faut que je m'y intéresse pour acheter des Kinsect. J'ai un peu foutu mon nez dedans, mais ça a l'air d'être un joyeux bordel. Voilà. Ouais, le Caméléos, faut que je le farme. Faut que je le farme, et en tout, il me faut 3 queues pour faire celle-là et le katana. Katana qui est vénère de ouf. Attends, je vais regarder ton épée bouclier, là. C'était quoi, c'était en guilde? Mais c'est pas ce que j'ai débloqué il y a pas longtemps, là?
Guild. Ah oui, d'accord. Quoi? Ah, SNS, c'est Sword and Shield. C'est ça? Je suis en train de chercher pourquoi SNS. What the fuck? 100% d'affinité, merci. Ah, t'avais pas l'info? Ben voilà, tu l'as. What the fuck? 100% d'affinité. Là, j'avoue, 200 de dégâts, 100% d'affinité. Après, elle a pas d'éléments, mais quand même, 100% d'affinité. Bah, je vois pas l'intérêt du coup de la... Oui, si, l'affinité, c'est le critique. Mais bon, s'il y a pas d'éléments, c'est quand même con. C'est quand même bien d'avoir de l'affinité sur une arme élémentaire. Putain, j'avoue, vénère. 100% d'affinité. C'est quoi ce délire? Tu mets le talent qui augmente les dégâts quand tu es dans le verre. Oui, j'ai... Oui. Oui. Bon, bah on a 390 000. Je respire. On a pu améliorer tout ce que je voulais améliorer. Je respire. C'est cool. En tout cas, merci pour cette astuce, Guilhem. Parce que du coup, ça y est. Là, en fait, en gros, je suis plus en mode galérien... Ouais, j'avoue, avec la perque dans le tranchant vert, plus l'arme à 200, plus 100% d'affinité, oui. Il y a moyen de taper fort, ouais. Mais en tout cas, ouais, merci Guilhem pour cette astuce de ouf, qui fait que ça y est, je suis plus du tout en galère. Parce que j'avais montré un peu à ma femme où j'en étais, et la galère dans laquelle je m'étais foutu à crafter toutes mes armes. Hein. Parce que mine de rien, quand tu regardes, niveau corne, je suis bien. En fait, il n'y a que genre ça et ça que j'ai pas avancé parce que c'était pas si intéressant que ça. Et c'est bah, bon, ça, je pourrais l'améliorer à fond, mais ça m'intéresse pas. Donc, je vais économiser un peu. Et ça, bah, en gros, c'était les griffes Somnakant et Mizutsune qui me cassaient les couilles. On avait déjà galéré pour les katanas, je crois, et ça m'avait saoulé. Celle-là, bah, finalement, on s'est fait chier. Et en fait, c'est de la merde. Ah oui, non, je l'avais pas fini celle-là. Mais il me reste du farm nul à faire. Et le reste, bah ouais, c'est upgrade à fond presque. Hein. Et bon, cloche, en fait, cloche, je le mets au taquet de côté parce que cloche, enfin, cloche, n'importe quoi. Corne. Le problème de la corne, c'est que je trouve que c'est à chier en fait. En gameplay. C'est trop cool sur le papier par rapport au HUD et tout. Mais en gameplay, je trouve ça nul. C'est absolument pas satisfaisant de jouer en termes d'action, je trouve pas ça satisfaisant. En termes de coop, c'est satisfaisant, mais pas en termes d'action. Donc du coup, c'est pour ça que la corne, je sais même pas si je vais la ressortir à l'occasion. J'ai appris à jouer avec vite fait, donc je mets ça de côté dans ma tête. Mais je serais quand même déjà plus intéressé de rejouer, de tester Insecto dans ce Monster Hunter. Vu que Insecto, on a de l'expérience. Et que c'est un gameplay que j'aime, du coup. Donc, ça, c'est garanti. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, en fait, des Insecto, on en a croisé, je crois, qu'un seul depuis qu'on a commencé le let's play. Alors, on n'a pas tout le temps joué en multi non plus. Mais c'est surtout quand on arrive en expert qu'on a joué en multi. Mais c'est vrai qu'Insecto, on n'en croise pas. On n'en croise pas des insectos. Donc, ce serait bien de... J'en ai croisé plusieurs. D'accord. Bah j'en vois pas moi. C'est fou. Pourtant là je suis vraiment là depuis... Facilement 10-15 heures de jeu. Je suis un gros connard. Je lance tout en multi. Là même le Camélios à la base j'aurais dû le faire en solo. J'ai lancé en multi. Le Kushala bon je l'ai fait en multi mais legit. Le gameplay est pas mal perdu par rapport à World. Ouais, bah ouais, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ouais. Ce qui m'a semblé, hein, c'est qu'il a été délaissé. Hein. Et je pense qu'ils avaient pas d'inspi pour les features Philoptères. Et du coup, tous les avantages que t'as avec la nouvelle méta Philoptères, avec Insecto, tu te fais chier parce que t'as pas ça, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça, le délire.
Faut que j'essaye pour me faire une réelle idée, mais j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Donc, fais chier. Mais bon, ça reste insecto quand même. Donc, Et surtout, tu peux plus monter sur les monstres. Oui, bah j'avoue que insecto, c'est ça qui était fort dans World. C'était que, bah, mettons un Rathalos qui fait chier, qui est tout le temps en l'air. Tu combottes en l'air avec l'insecto, et puis à un moment donné, tu chevauches et c'est Dovahkiin, quoi. Ouais, donc là, finalement, la méta insecto, ce serait plus de taper au sol. Ouais. Déjà, dans World, on m'avait fait le reproche de « Oui, tu joues trop en l'air et pas assez au sol. » Alors, dans ce Monster Hunter, j'imagine même pas. Ah ouais, c'est 85% du temps, c'est le balai des mouches. Et de temps en temps, j'atterris et je tape un peu, quoi. Bon, bah d'accord. Bah, on testera ça. Et on verra bien. Et bah je vais même abréger les souffrances de YouTube, couper la VOD maintenant, parce que je vois l'heure qui tourne. C'est surtout que c'est galère de les toucher en l'air. Oui, après ça c'est un coup à prendre. Bon, je testerai pour me faire une idée concrète. Parce que ça se trouve, les commandes sont un peu plus merdiques ou aléatoires. C'est vrai que World, il m'avait fallu un temps d'adaptation hein, pour apprendre à bien me diriger en l'air. Je testerai. Mais oui, j'abrège les souffrances de YouTube. Je coupe la VOD maintenant. Pourquoi? D'accord. Des bisous YouTube. Et désolé. Voilà. Nous avons fait une mission et nous avons discuté. Nous avons fait du farm. Mais ça y est. Je suis optimisé. L'armure est à fond. On a crafté. Je suis content. Voilà. Des bisous.